Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et vous avez rencontré pour nous une jeune militante tunisienne qui lutte contre la radicalisation au sud de son pays. Elle s'appelle Yosser Belghit. Et bien qu'elle ait tout juste 23 ans, comme beaucoup de jeunes de sa génération, Yosser Belghit ne fait pas son âge. Déjà avertie des problématiques de son pays, elle compte bien y apporter des solutions. D'ailleurs, je l'ai croisée lors de son passage à Paris il y a tout juste 10 jours, car cet entrepreneur visionnaire vient d'être lauréate d'un concours d'innovation sociale lancé par un incubateur. Alors après une école de commerce, cette grande brune explique avec une assurance bluffante qu'elle a une solution pour redynamiser sa ville Médenine, située au sud de la Tunisie, pour créer de l'emploi et développer l'entrepreneuriat. Ils ont tous un mode de vie qui est à peu près le même. C'est faire les études et puis avoir un job, puis faire une famille et voilà. C'est le mode de vie qui doit changer dans Médenine parce que tout le monde, en fait, on doit avoir une vision plus open, plus innovative. Et c'est pour cela que je voudrais lancer cet projet à Médenine. À quel type de projet Yosser Belghit réfléchit-elle ? Eh bien, elle travaille sur le développement de Ougouma. Alors ça, c'est le nom de la tribu qui a construit sa ville, Médenine. C'est un espace de coworking avec également une dimension culturelle où des artistes ou encore des entrepreneurs âgés de 15 à 30 ans peuvent se rencontrer, échanger, s'inspirer afin de trouver une vocation professionnelle. Il y aura également des ateliers qui s'adresseront tout particulièrement aux femmes pour les rendre indépendantes financièrement. Yosser Belghit espère que son projet incitera la jeunesse de sa communauté à rester dans leur région et à développer l'économie de sa ville au lieu de se rendre à Tunis. Car même elle se refuse de travailler hors de ses terres natales. J'ai juste fini mes études depuis 4 mois maintenant et tout le monde me dit tout le temps bon, tu peux rester à Paris et tu peux avoir un job là ou bien tu peux rester à Tunis et avoir un job là, mais voilà, j'aime pas tout ça, je veux juste aider et implanter les projets que j'ai depuis mon enfance à Médenine, rester là pour aider les gens et les femmes et tout le monde là. Et d'ici 3 ans, Yosser Belghit espère bien toucher plus de 300 jeunes à Médenine et également développer d'autres espaces dans le sud de son pays. Merci Cyrielle Ariel. Europe 1, circuit court. Europe.